Enchanté de vous revoir, Miss Fry. Votre Altesse, les plans des rénovations de Buckingham Palace sont introuvables. Dans ce cas, vous devrez vous contenter des copies. Il existe des copies ? Ou pas si vite. Avant cela, j'ai une affaire urgente à régler. Mon plan exige discrétion et rapidité, des qualités que vous possédez toutes deux. Mais je suis pressée par le temps, Votre Altesse. Alors faites vite, ma chère. Les hommes les plus influents du Parlement demeurent hélas hors de ma portée. Mais ces hommes ont fait appeler des voitures en prévision du bal de ce soir. Procurez-vous une voiture officielle, et nous conduirons ces politiciens à destination. En chemin, je m'entretiendrai avec eux, et ensuite, je vous dirai où trouver les plans. Vous êtes un fin négociateur. Il le faut quand on a l'habitude d'être sous-estimé. Ne pas laisser ses sentiments mettre en danger la mission. Quelle erreur.
tickets, please. This is the last stop, and you're all going to... En route. Très bien. Et voilà. Allons-y. Moudou. Allons-nous plaider notre cause, Miss Fry? Grimpez, Votre Altesse. Où faut-il aller? Belgrave Square. Bienvenue, monsieur. Votre Altesse? Quelle surprise! L'inattendu n'est-il pas le piment de la vie? Cela ne prendra que quelques instants. Nous devons discuter d'une affaire de la plus haute importance. Quand le Commonwealth a pris le Punjab à mon peuple... Il ne l'a pas pris. Cela fut négocié dans les règles. L'Angleterre a promis de me protéger. En me privant de mon royaume. Le Parlement a enfreint le traité conclu avec ma famille. Tenez, lisez. Je ne savais pas. Lisez. C'est tout ce que je demande. Vous êtes l'un des rares hommes en mesure de... Je suis sûr que vous profiterez du bal de ce soir avec votre fils. Il rentre à peine de Delhi. Je lui ferai part de notre discussion. C'est très déconcertant. Cela a été fructueux. Et maintenant? À St. James Park. Je remarque que Monsieur Green est absent. Il a d'autres choses en tête en ce moment. Ah, dommage. Vous sembliez vous entendre à merveille. À tel point que c'était devenu un problème. Il ne faut pas laisser les sentiments mettre en danger la mission. Cela m'a tout l'air d'une citation. C'en est une. De mon père. Ethan Fry. Vous l'avez connu? Non, malheureusement. Mais Monsieur Green m'a parlé de lui. J'ai l'impression qu'il était un homme hors du commun. Il l'était, Votre Altesse. Et votre mère aussi, Cecily Fry. Votre père et elle étaient inséparables. Ils ne faisaient qu'un. Le seul duo qui ait failli mettre en échec Monsieur Stark. Et si amoureux l'un de l'autre. Du moins, d'après le peu qu'on m'en a dit. Cecily. J'aurais aimé la connaître. D'après ce qu'en dit Monsieur Green, vous lui ressemblez beaucoup, de par votre intelligence. Père ne parlait jamais d'elle. Que peut savoir Monsieur Green? Il n'était qu'un enfant quand mon père l'a formé. Les enfants perçoivent bien des choses, Miss Fry. Doucement, ma jolie.
compris. Et sans tarder. Bien, monsieur. Bonjour, monsieur. Que faites-vous ici, votre Altesse ? Je sais combien vous avez été occupé dernièrement. Je ne vous demande qu'un peu de temps. Ma foi, c'est assez peu orthodoxe, mais je vous écoute. Selon le traité conclu avec ma famille, l'Angleterre devait me protéger. Mais elle m'a pris mon pays. Aujourd'hui, j'apprends qu'elle compte renforcer ses liens avec les Indes. Peut-être est-il temps de rendre le Pendjab à son peuple. La reine vous verse une rente annuelle depuis Dieu sait combien d'années, et vous mordez la main qui vous nourrit. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder mon pays tomber sous le joug d'une puissance étrangère. On traite les miens comme des esclaves. Je refuse de tolérer cela. Je suis prêt à mourir 1000 fois pour l'élite. Bonjour, monsieur. Dieu vous bénisse. Il n'en reste qu'un. Allons chez les Gladstone. Les Indes vous manquent ? Je me rappelle l'odeur de cannelle de ma mère. Et lorsqu'elle me tenait dans ses bras, dans la chaleur de l'été, j'étais si paisible qu'elle finissait par s'endormir. La perte de mon royaume m'a peiné. Mais en vérité, lorsqu'ils ont emmené ma mère, je l'ai revue 2 ans avant sa mort. Elle avait beaucoup vieilli. Elle me manque. Les Indes aussi. J'aime cette terre. Au Sinopin Club, et au plus vite. Mort de l'archevêque de Canterbury. Il sera inhumé ce dimanche, près de sa résidence... Bonjour, monsieur Gladstone. Mr. Singh. Vous êtes un homme difficile à approcher. Je sais ce que vous voulez. Vos dupris ont perdu de leur charme. Sa Majesté s'est lassée de vous. Alors vous venez mendiant pour moi. Ne soyez pas blessant, monsieur. Mon peuple mérite d'être libre. C'est pour lui que je me bats. Pourquoi avez-vous perdu le Pendjab ? Je vais vous le dire, votre Altesse. Nous étions mieux armés, mieux formés, plus forts, voilà tout. Oui, les Sikhs méritent la liberté. J'espère qu'ils l'obtiendront avec l'aide et le progrès anglais. Alors, pourquoi réclament-ils leur roi ? La Grande-Bretagne doit faire régner la paix. C'est une responsabilité énorme. Et j'apprécie vos conseils, comme ceux du Parlement. Je souhaite bonne chance à votre Altesse dans sa quête. J'espère que mon avis lui a été utile. Bien plus que votre politique. Mais j'espère qu'elle saura évoluer avec le temps. L'avenir de mon peuple en dépend. Merci, Miss Fry, d'avoir plaidé ma cause. Je vous en prie. J'espère qu'elle pourra triompher malgré les attaques immondes de Gladstone. Les hommes de grand cœur se forgent une carapace. Votre père, par exemple. J'ai cru comprendre qu'il était immensément triste. Brisé, même, à la mort de votre mère. Ces chagrins peuvent nous aveugler, nous pousser à dire des horreurs pour protéger ceux que nous aimons. Il est temps que vous alliez rendre cette voiture et récupérer ses plans. Il se trouve à Buckingham Palace. La reine les conserve avec des papiers personnels dans le salon de dessin blanc. Je vous souhaite une bonne soirée, Miss Evie Fry. Moi aussi, votre Altesse. Evie, nice to see you again. Ils n'en croiront pas leurs yeux.
Et lui, il arrive là-dedans. Miss Fry ? Donne-lui tes armes. Nous ne pouvons entrer avec. Vous êtes radieuse. Je ne pourrai jamais aimer une pauvre. Oh, je n'en doute nullement, William. Monsieur, madame, vos cartons. Je crois que j'ai égaré le mien. Monsieur, madame, je vous en prie. Sans invitation. Mon bon, je suis le prochain premier ministre. Que diable notre voiture fait-elle ici? C'était quoi ce bruit? Rien. Juste les voix dans ta tête. Elles sont tellement plus plaisantes que la tienne, Evie. Charmant. Oui, je sais. Je vais chercher le fragment d'Eden. Comme tu voudras. J'ai rendez-vous avec Freddy. Je vous lis. Les plans se trouvent dans le salon de dessin blanc. Qui est sans doute fermé à clé. Le capitaine doit l'avoir sur lui. Stop that at once! Cease! What could they be protesting? Tu vas me servir d'escorte. Pas un mot ou tu seras mort avant de comprendre ce qui t'arrive. Qui êtes-vous ? Vous n'avez rien à faire ici. Mon bras ! Ça fait mal ! Doudou ! Some sort of commotion. Looks like trouble is brewing. Ça fait mal! Doudou! Mon bras! That looks like a mess. I can stay clear of. Mon bras! Mon bras! Doudou! What's happening there? Doudou! Congratulations! How wonderful! La dame est avec moi! Merci, mon brave. Madame? Mon bras! Ça fait mal! Mon bras! Ça fait mal! Ça fait mal!
mon bras. Ça fait mal. Mon bras. Mon bras. Mon bras. Faites beau rêve. Les plans ne sont sûrement pas loin. Maintenant, la crypte. Je parie que Jacob doit être encore en train de voler une voiture, ou de pousser la reine dans l'escalier. Vous voilà ! Oh ! Il y a quelqu'un à qui je meurs d'envie de vous présenter. Ta-ta-ta-ta-ta ! Venez avec moi ! Oh ! Votre Majesté, puis-je vous présenter Miss Evie Fry? Êtes-vous la responsable de la mésaventure de Mr. Gladstone? Dites-moi. Votre Majesté, toutes mes excuses. Le gâteau est absolument divin. Assurez-vous d'y goûter. Je dois vraiment y aller. Miss Fry, puis-je avoir cette danse? Monsieur Starik, vous vous êtes bien amusé, mais la partie est finie. Ah ah. Écoutez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le temps est une chose merveilleuse, Miss Fry. Il efface toutes les peines. Nous faisons des faux pas sur la musique. Mais, à la fin du morceau, tout recommence. Le problème, c'est que tout le monde oublie et réitère ses erreurs, encore et encore. Les gens apprennent. Vraiment. Tout le monde autour de nous ne répète-t-il pas les mêmes pas? Mais si un homme pouvait se remémorer la danse, connaître le temps, il pourrait tout changer, pour le meilleur. J'ai assez dansé. Cette danse est presque finie. Bientôt, les gens oublieront tous ceux qui sont ici, sur cette terrasse. Comme ils vous oublieront, vous aussi. Quand la musique cessera, Miss Fry, vous périrez. Et moi, je triompherai. What the...
Si vous mijotez. Freddy. Starik a infiltré ses hommes parmi les gardes et en a pris plusieurs en otage. Vos armes sont cachées ici. Je vais tuer les imposteurs et libérer les autres. Comment ? Il est impossible de les distinguer. Oh, homme de peu de foi. Sont les vrais gardes royaux. Ne bougez pas. Can we have 5 minutes of this?
Découpez-le en je vais te découper en rebelle. Je vais te sortir les voyous. Je vais sortir les voyous. On a terminé. Vous libérer. Merci, monsieur. Merci. Très bien, je vais venir m'occuper de... Merci à tous. Le secret de la valse, c'est de savoir diriger du bon pied. Oh, Seigneur! Tout va comme vous voulez, ma chère. Puis-je vous venir en aide? À mon tour de vous faire danser. Voilà, c'est là où est la crypte. Vas-y! Quoi, c'est tout? Tu n'as pas de plan? Il est trop tard pour ça. Je te rejoins dès que j'ai pu sortir de ce carcan infernal.
que tu fais? Je t'exploite. Je t'ai averti, mon garçon. Mais toi, tu n'écoutes jamais. Requiescat in pace. Laissez-moi rectifier cette erreur. Je vais recommencer. Je m'y approche. D'avoir un dirigeant et qu'un pouvoir.
allez quitter ma ville. Ellie! Tu es piégé! Tu t'affaiblis! Starik! Ta faille! Starik! Ton rêve va prendre fin! Il débute à peine. Périra sans moi. Tu te prends trop au sérieux. J'en aurais fait un paradis sur Terre. Cette ville appartient à ses habitants. Vous n'êtes que l'un d'eux. Mais je suis à la tête de l'ordre. Tu l'étais, Starik. Tu l'étais. Dommage que notre association s'arrête là. C'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Tu comptes porter le suaire et diriger Londres? Quoi qu'il apporte, il le prend à d'autres. Tu continuerais à vieillir sans moi. Tu ressemblerais à père. Je préfère encore mourir. Tu vas le porter? Après tout ce que tu as réparé, tout le chaos que j'ai provoqué, je n'en serais pas digne. Jacob Fry a des doutes. Qui te fait chanter? C'est George? Il n'oserait pas. Tu m'as manqué. Toi aussi. Tu crois qu'on pourrait repartir à zéro? Je n'attends que ça. Je commence à penser que Père n'avait pas réponse à tout. Henry. Le monde est vaste. Et Londres en est le centre. Mais pas le centre du monde. Je suis venu au plus vite. Ne vous en faites pas, je vais regagner le train. Est-ce que... ai-je mis en danger la mission? Henry, vous l'avez sauvé. Je crois que votre place est sur le terrain, avec moi. Une voiture! Bien joué, Freddy! Mr. Aberline, je vous en prie. Votre Majesté? Miss Fry. Vous vous connaissez? Je ne te l'ai pas dit? Mr. Aberline m'a tout juste appris que vous trois m'aviez sauvé la vie. Est-ce bien vrai? C'est vrai. Votre Majesté. Evie Fry, approchez. Et vous? Mon frère Majesté, Jacob Fry. Et voici Monsieur Henry Green.
Mr. Fry, Mr. Green, à genoux. Levez-vous. Je vous élève tous trois dans l'ordre de la jarretière. Merci, Votre Majesté. Si vous êtes aussi doué que le dit Mister Haberlin, je risque de faire appel à vous. Le sergent Haberlin exagère toujours, Votre Majesté. Nous nous reverrons. Oh, Miss Fry. Majesté. Si vous changez d'avis, je crois qu'on vous a gardé du gâteau. Père serait fier de toi. Dame Evie Fry. Sir Jacob Fry. Le premier arrivé au train. Tiens, il est sous le palais. Allons-y. Apportez le suaire au docteur Grammatica, sur le champ. L'équipe Sigma est déjà là. On arrive trop tard. Qu'est-ce qu'on fait ? Les tuer serait de loin le moyen le moins productif d'arriver à nos fins. Tue-les tous. Contact! Couvrez-moi! Cette sale petite ordure a essayé de me tuer, Berg. Faites-lui la peau! Us, them that told us lies of their bravery, them that preached of progress and put us in the poorhouse. Them done the horrid murder on bloody stages, them that loudly corroded their humility, lords and dames that sung in the chapels on a Sunday. All quiet now, their mouths are stopped up. Arrête de bouger! They lie flung in rats and make no sound. Underground, underground, leave them. La mission avant tout! Bien reçu! Those who fought for something better, those who fought by how they live. Loved ones taken long before their work was done. Galina, il nous faut une sortie! Sécurisez la crypte, toute cible valide! On doit y aller! Maintenant! Compris. Le suaire. Oublie ce maudit suaire! Reste avec moi, Bex! Je t'en prie! On y va! Tu as fait du bon travail, initié. Nous reprendrons le suaire le moment venu. Au fait, le mouchard qu'on a posé dans l'ordinateur d'Isabelle a capté quelque chose avant qu'il le détruise. Je te le passe.
Je suis navré pour ce souk. En quoi le suaire peut vous aider à créer un autre clone? En rien. Quand on enveloppe le suaire autour d'un corps, il évalue les dégâts et le répare à l'échelon cellulaire. Vous ne comptez pas fabriquer un clone, mais recréer un précurseur à partir de rien. Exactement. Le projet Phoenix vient de faire un grand bond en avant. J'appelle Alan Rickin pour lui annoncer la bonne nouvelle. Noël arrive avant l'heure. Eh oh! C'est moi. J'ai le suaire comme vous me l'avez demandé. Mais j'ai peur. N'aie pas peur. Tu as fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas peur de vous. J'ai peur pour vous. S'ils découvrent ce que vous faites. Tu as joué ton rôle, mon instrument. Je te sauverai. Je vous sauverai tous.